Bonjour, aujourd'hui on va faire une salade de lentilles blondes. Vous les faites cuire dans de l'eau, comme écrit sur la boîte. Une boîte de 500 grammes. Quand ça bout, on baisse le feu pour que ça bouillonne. Comme ça là. Puis on laisse cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien moelleuse. On goûte régulièrement. Une fois bien moelleuse, on vide le fait tout dans une passoire et refroidit les lentilles sous un jet d'eau froide. Une fois refroidi et goûté, on met dans un saladier au frigo. Ensuite, il vous faut 400 g d'oignons émincés, épluchés, qu'on va faire caraméliser dans le sautoir. Pendant ce temps, on lave la planche, le couteau. Même si j'ai pas mis beaucoup d'huile, on va l'enlever. On prépare chinois, casserole, cuillère à soupe. Voilà, c'est assez caramélisé. On met tout ça dans le chinois. En écrasant, ben, j'ai sorti ça. Ce sera toujours ça de moins de gras. On va récupérer les sucres de la cuisson des oignons, on met un peu d'eau, on gratte tout le fond, puis une fois qu'il n'y a plus rien qui accroche, on le rajoute aux lentilles, on met tout à même, on enlève le maximum, on récupère l'huile dans un verre qu'on met au frigo, on étale sur la planche. Les oignons de la longueur du couteau. On commence par les verticales. On fait tout le long. Là, c'est une cuillère à café. On va voir la taille. Puis les horizontales de la même taille. Et c'est tout. On coupe pas plus, pas moins. Ensuite, on prend de la feta. On fait les horizontales la même épaisseur que pour les oignons. Puis avec le couteau, on émince. Alors il vous en faut 660 grammes. Respectez bien la taille. On met tous les ingrédients dans le saladier. On va essayer d'incorporer la feta sans la casser. Avec une marise, on prend, on retourne, on tourne un petit peu, on reprend, on retourne, et on va saler en même temps qu'on fait ça. Et poivrer aussi. Alors, ça se mange froid avec des knackis. Et voilà, bon appétit!